je vous ai déjà dit de pas venir traîner ici. C'est un parking de voitures, c'est pas un stade pour sport extrême. Eh, voudriez vous décoincer un peu? C'est clair. Ah, ces jeunes, c'est tous les mêmes. Des dangers publics. Oh, les gens. Mais qu'est-ce que c'est que ça? S'il y en a un qui garde sa loco sur mon parking, ça va chauffer, là. Et maintenant, je vais vous faire une des figures gagnantes qui me permettra de décrocher la médaille d'or au tournoi du skate tonique. Je l'ai appelée la Tony Tornade. Merci la foule, merci la foule, waouh, ouais, quelle classe! Bien tenté, Tony, mais quand le jury aura vu ma toute dernière figure, il devra me donner les premières, deuxième et troisième places réunies. Ah! Oh non! Messieurs, essayez de garder vos yeux en face des trous et admirez un peu, et bientôt vous aurez le droit de prendre des notes au passage. Plutôt pas mal, frangin. Tu feras mieux l'année prochaine. T'appelles ça une figure? Pourquoi pas? Les garçons, vous voulez bien poursuivre cette conversation passionnante à l'autre bout de la ville? Que je puisse méditer en paix, merci. Et la foule applaudit Megan, capable de rester assise 2 heures d'affilée dans la pose de la poule au pont. Un incroyable tour de force athlétique que nul sportif n'avait osé tenter jusque-là. C'est extraordinaire, c'est hypnotisant. Sachez qu'il faut avoir une super condition physique et un mental d'acier pour faire du yoga. C'est surtout que rester assis les jambes croisées, c'est un truc de filles qui sont pas douées pour le skate et pendant les dents. Ah bon? Vous dites que parce que je suis une fille, je sais pas faire de skate? Non, on dit que tu devrais pas faire de skate parce que t'es une fille. Ouvrez vos yeux et préparez-vous à prendre une leçon. Bah, t'es encore moins doué en skate qu'on croyait avant cette performance. Tout compte fait, t'as raison, le tapis de yoga, c'est encore ce qu'il y a de plus prudent. C'est ça, vous pouvez vous moquer, n'empêche que je vais m'y inscrire aussi à ce tournoi et je vous battrai tous. Oh oh, qu'est-ce qui se passe? C'est Megan qui a provoqué un tremblement de terre? Bonjour Spy-Z, vous n'étiez pas trop occupé, j'espère? Non, on assistait au dernier show de Megan qui découvrait les joies du skate. Ah, oh, je vois, vous attendrez un peu pour la suite. Dubaï est le théâtre de phénomènes inquiétants. Il est question de secousses sismiques et de tornades de sable gigantesques inexpliquées. Oh, ça a l'air carrément et totalement ennuyeux. Vous avez rien d'autre comme mission un peu plus sympa, je sais pas moi? Non, pas de catastrophe sympa en magasin, désolé, ni d'espions plus fun. Oh. Oui, allô? Oh, ça va maman? Marc, poussin, ouvre grand tes oreilles, il faut que tu t'arrêtes à l'épicerie en rentrant à la maison, c'est essentiel. Mais maman, je suis très occupée, j'aurai jamais le temps. Tu crois? Oh, je suis sûre que tu vas trouver un moment, sinon tu n'auras rien pour le dîner. Rapporte-moi du lait, des œufs, du tofu, du persil et du jus de pomme. T'as tout noté? Mais oui, t'inquiète, aucun problème. Trop fort, Jerry. Et votre robot, il saurait pas ranger les chambres aussi? Je crains, hélas, que tout comme vous, il en soit incapable. En revanche, il sait distribuer les gadgets, comme le caramel colle tout sur place, un caramel super collant qui cloue n'importe quoi au sol, ou les lunettes auto-rafraîchissantes équipées de mini-ventilateurs incorporés ultra puissants, et la boule de gomme dégommante. Merci beaucoup. Votre jet est avancé, Spy-Z. Yeah! Pas une seconde de ce que dit Jerry, mais reconnaissez que pour l'instant, tout est calme. Ennuyeux, tu veux dire? Je savais que cette mission sera plus rasoir qu'une séance de shopping. La planche Super Slide 3000, la garantie d'apprendre à slider en un rien de temps. Oh, c'est exactement ce qu'il me faut pour décrocher la victoire au tournoi. Hey, c'est quoi ce nuage de fumée? Il y a un barbecue qui a mal tourné dans le quartier?
Oh non, les courses sont en miettes. Maman va devenir folle. Si les œufs s'écrasent en même temps que nous, ça ferait une belle omelette au Spy-Z. J'ai aucune envie de finir sur la table d'un resto. Megan, Tony, évacuez l'appareil. Vous faites quoi, vous deux? Eh ben, on va essayer d'atterrir dès qu'on aura un peu de visibilité. Rendez-vous au sol, les frangins. On a très peu de temps. On perd de l'altitude, on va s'écraser. Pour se poser, il y a le toit de cet immeuble désaffecté. C'est pas bien large, mais ça vaut le coup d'essayer. Au bout, on va beaucoup trop vite. J'aurais préféré finir en omelette, ça aurait été meilleur. Ton vœu va être exaucé, c'est tout l'immeuble qui va s'effondrer. S'il s'effondre, ça veut dire qu'on va tomber? Ouais, faut partir. J'espère que Jerry est assuré pour son jet. Ouais, faudrait peut-être lui poser la question s'il continue à nous confier des missions de ce genre. Allez, c'est parti. Ouais, les deux autres, vous me recevez? Oh, les garçons, vous êtes sains et saufs. J'ai vraiment eu peur de plus jamais vous revoir. On a cru aussi qu'on vous reverrait jamais. Bon alors, qu'est-ce que ça donne de votre côté? Des décombres et de la poussière à n'en plus finir. Et au milieu de tout ça, on a trouvé de curieuses petites billes de métal. Curieux, en effet. On a aussi quelques bâtiments détruits, mais on n'a relevé aucun indice. Je suis pas d'accord avec toi, grand frère. On a ces traces. Bon, on n'aura pas le prix des meilleurs experts de l'année, mais on va faire quand même quelques clichés. Ok, j'envoie le tout au Whoop. Et si tu contactais Jerry pour lui demander de nous rapatrier à la maison? Allô, Jerry? Voilà, on a un petit service à vous demander. Maman est pas encore rentrée. Parfait, j'ai le temps de filer à l'épicerie du coin et remplacer les courses qu'on a explosées dans le jet. Autant dire pratiquement tout. Ouais, nous on va se charger des corvées domestiques avant que maman fasse une attaque cardiaque. Ne me dites pas que vous n'avez pas encore terminé. Et qu'est-il arrivé à ce pauvre sac de course? C'est dans le jet, on a traversé des turbulences. Je n'ai aucune envie de rire, Marc. Tu devrais te comporter comme un garçon responsable. Et vous autres aussi. Filez ranger vos chambres pendant que j'essaie de concocter un repas de ce bric-à-brac alimentaire. Allez, du balai. Après une mission pareille, j'ai envie de tout sauf de mettre de l'ordre dans ma chambre. C'est aussi ça le quotidien d'un enfant espion. Hein? Qu'est-ce que c'est? La Super Slide 3000 déjà? Oh, waouh, je suis trop contente. Oh, toi et moi, on va leur montrer à ces garçons ce qu'une fille est capable de faire. Oh, ça c'est du skate, je vais devenir une championne. Au secours, comment on l'arrête? C'est bien Megan que j'ai entendu crier. Je confirme, c'était bien un hurlement. Elle est où? On était encore ensemble il y a 2 secondes. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est sûrement elle qui a laissé ses traces. Ce n'est pas le bruit d'un... Voilà, maman, faut surtout pas qu'elle entre. Dites donc, les enfants, je peux savoir à quoi vous jouez? Étant donné qu'on a un gros paquet de linge sale, on s'est dit qu'on allait tout laver ensemble pour faire de grosses économies d'eau. Bon, d'accord. Et où est passée votre sœur? Elle est sortie vite fait pour acheter un paquet de lessive. Bah ouais, c'est qu'il va en falloir pour laver une telle montagne de linge. Voilà, une excellente initiative, les enfants. Bon, allez-y, ne traînez pas. Vous devez sûrement avoir des tas de devoirs à faire. Oh, j'y crois pas qu'elle y ait cru. Ouais, mais ça marchera pas à tous les coups. On a intérêt à retrouver Megan au plus vite. Cherchons des indices. Aucun indice, à part une panoplie complète de trucs de filles. À votre avis, c'est quoi ça? D'après ma longue expérience, c'est du carton. Oui, c'est un emballage postal que Megan a dû recevoir aujourd'hui, mais il y a une chose qui manque. Ce qu'il y avait dedans. Donc, si on retrouve la personne qui a envoyé ce paquet, on a de bonnes chances de retrouver Megan. Jerry, on a une petite urgence. Il faudrait nous arranger un whooping éclair. Misère, mais d'où vient cette odeur épouvantable proche du pestilentiel? Oh, ça, c'est le tas de linge sale de Megan. Vous l'avez whoopé en même temps que nous. Ma foi, je suis obligé de remédier à cela.
J'étais sûre que ce robot savait faire la lessive. Si seulement je pouvais m'en acheter un. Bon, assez discuté, chiffon. On doit faire face à une situation de crise. Megan a disparu de sa chambre. Je serais curieux de savoir si cet événement est lié à votre dernière mission. D'ailleurs, en parlant de cela, voici les résultats des recherches effectuées sur vos indices. Et alors, on sait ce que c'est? Ces billes proviennent d'un roulement du genre de ceux qu'on trouve sur les planches de skate. Sauf qu'on est en présence d'un alliage ultra sophistiqué. C'est du lourd. C'est vrai? C'est étonnant, mais passionnant. Quel rapport avec des tornades de sable et des immeubles entiers qui s'écroulent? De plus, les marques retrouvées sur le sol correspondent aux dimensions d'une planche à roulettes. Voici la forme qu'aurait l'objet contenu dans le carton d'après le scanner. Oh. Un skateboard! Tout s'explique! Là, je commence à comprendre. Comme l'expéditeur a pas mis son adresse, je relève une empreinte sur l'emballage. Avec un peu de chance, on va identifier le facteur. Le colis a été posté dans le quartier, donc il est parti d'un entrepôt situé en périphérie. Excellent travail, Spy Z. Il ne vous reste plus qu'à vous rendre sur place et mener votre enquête. N'oubliez pas l'assouplissant. Megan aime que ses chaussettes soient douces. Ne poussez pas le bouchon, jeune homme. Ce n'est pas mon style. Ils ont été enrôlés pour participer à ma grande bataille. Exactement comme toi. Bon, c'est là. Pas de système d'alarme, a priori. Mais il faut réussir à franchir le grillage. Aucun problème. Coup de pied balayette. Tu sais quoi? Pour un petit qui réfléchit rarement avant d'agir, il a parfois de très bonnes idées. Elle est là, je la vois. Pousse-toi. Tu nous fais quoi là, Megan? Je sais rien, je contrôle rien du tout. C'est lui qui me balade, il va où il veut. Mais t'en tireras rien! Suis-moi! Et ben voilà, ça devrait réussir à l'occuper quelques temps. Ça va, les gars, merci! Assez fait, Mumuse! C'est un terrain d'entraînement, pas un jardin d'enfants! Hé, c'est le champion de skate, Stony Falcon, je le reconnais! Enfin, ce qu'il en reste! Hé, Stony, qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas l'air d'aller très bien! Au contraire, je vais super bien. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous allez pouvoir tous les trois regarder mon armée de skateurs. Une armée de skateurs? Bon, et ça fait quoi au juste une armée de skateurs? Ça fait évoluer le monde du skate en détruisant tout et tous ceux qui se dressent sur mon chemin. Même les maisons, les voitures et tout ce qu'il y a en ville. Eh ben bravo, ça c'est du progrès. Le skateboard a été banni des rues dans toutes les villes du monde. Aujourd'hui, nous reprenons possession des trottoirs. Jerry nous aurait pas donné un gadget kidnappeur de fou parce que là on en aurait bien besoin. En tout cas, il a pas menti. Il a levé une armée. Apparemment, vous ne partagez pas ma vision d'avenir pour le skateboard. Vous m'obligez donc à vous laisser avec les autres sur le quai. En avant marche, vaillant soldat du skate. Aujourd'hui, je suis abonné aux immeubles qui s'écroulent. Stony a toujours fait vibrer les fans de skate, mais là, il exagère. Il faut vite les rattraper avant qu'ils n'aillent trop loin. Pour ça, il faudrait les localiser et réussir à les rejoindre. Jerry, on a besoin de votre aide. Rectification, votre ville a besoin de votre aide. Elle semble être la proie d'une légion de renégats sur planche à roulettes. C'est Stony et ses soldats. Est-ce que vous pouvez venir nous chercher? D'accord, je vous envoie un taxi dans la seconde qui suit. Ah,
nos skates sont toujours là. Allez, faut faire vite avant qu'ils aient tout cassé. Je propose qu'on se sépare. Okay. C'est parti. Wow, 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 doudou, les gars, c'est moi, Tony, votre frère de skate. Bon, bah tant pis. J'ai localisé un groupe de skateurs, ils démolissent tout sur leur passage. J'en ai un ici aussi. Faut vite leur rappeler les règles de base du skateur bien élevé. En avant. Quoi ? Qu'est-ce que je vois ? Ces coyotes à roulettes ont réussi à s'échapper de mon entrepôt. Voyons s'ils réussissent à échapper à mon armée. Tous sur eux, les gars ! Oh, les filles aussi ! Bien joué, je me doutais qu'il ferait pas le poids contre un skater de ma classe. Et oui, quand je défie les lois de la gravité, c'est comme ça. C'est l'heure du gadget. Caramel, colle tout sur place, mérite bien son nom, c'est clair. Oh, en plus, il a goût de caramel. Les garçons, je suis avec Stony, il se dirige tout droit vers notre maison. Dépêchez-vous. Vous entendez les frangins? Mais oui, on t'entend. On se retrouve là-bas. Pourquoi il me ramène à la maison? Oh, j'aime pas beaucoup ça. Oh, quelle charmante petite bicoque. Une fois réduite en poussière, on y installera une rampe de skate à la place. Ce sera un spot idéal pour venir s'entraîner. Tony, écoute, tu crois pas qu'il vaut mieux construire une rampe de skate dans un terrain vague plutôt qu'en plein centre-ville? C'est exactement ce que la société voudrait que nous fassions, petite. Mais j'en ai marre des terrains vagues. Une ère nouvelle doit commencer. Oh, vous revoilà. Je croyais vous avoir réglé vos comptes. Ça, c'est dans tes rêves délirants, Tony. Depuis quand tu crois qu'on peut forcer les gens à faire du skate? Ouais, et partout où il y aura des gens contraints de skater par la force, on sera là pour les libérer. C'est ce qu'on va voir dans pas longtemps. Pas de quartier de taille. C'est là que la boule de gomme dégommante entre en action. Hein? Quand même, on a beau dire, c'est assez stressant d'avoir une maison en plein centre-ville. Ça n'arrête pas de construire dans le quartier en ce moment. Ah bah ça tombe bien que tu parles de ça, parce que justement, j'allais te proposer de déménager. On n'a pas les bons skates pour rivaliser avec Stony, on est battus. C'est ce qu'on va voir. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Celui-là, je suis sûr qu'il pourra plus le contrôler avec sa télécommande. Wow! Ça, c'est ce que j'appelle du skate. Maintenant, on est à égalité. Vous croyez pouvoir défier le maître, hein? Voyons si vous faites des étincelles. Quoi qu'on a jeté un froid. J'essaie de modifier ton skate histoire que tu puisses le contrôler. Oh, ça se demandait si c'était pas mieux quand je contrôlais rien. Tu voulais faire du skate? Allez, debout. Je regrette, mais je vais être obligé de vous décoiffer un peu. Maintenant, allons anéantir cette misérable petite ville une bonne fois pour toutes. Je le crois pas. Tu t'es déguisé en allumette avec ton casque. Oh ben non. Regardez-le. Non seulement il est en panne de skate, mais en plus il passe pour un crétin. Alors sortez-moi de là, soyez sympa. Allez quoi, on est des camarades, non? Des copains. Les seuls camarades que tu vas avoir, c'est ceux avec qui tu vas te retrouver en cellule. Ok les petits gars, je suis prête à vous donner une bonne leçon et remporter ce tournoi, hein? Bah qu'est-ce que vous faites?
tous à rester assis, vous allez être en retard pour votre défaite. S'il te plaît, moins fort, Megan, je suis en plein retour aux sources. Oui, j'ai l'impression de ne faire qu'un avec l'écorce terrestre. En fait, je ne retoucherai plus jamais à un skate de ma vie. S'il vous plaît, soyez gentil, je voudrais pouvoir me concentrer. Quoi ? Mais cette mission était l'entraînement dont j'avais besoin pour vous montrer qu'une fille skate aussi bien qu'un garçon. Alors en piste pour une démonstration ! Tu n'as rien à nous prouver, Megan, alors viens méditer. Non ! J'ai pas le temps ! Ah, cette figure-là, c'est